place est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kéboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Oukeita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Kierno Ibrahim Ayoula, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense avait demandé la parole hier. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Hier, à l'entame de l'audition de Monsieur Tierno Ibrahim Ayoula, juriste de nationalité guinéenne domicilié à Samatan, commune urbaine de Dubreka, nous vous avons dit, Monsieur le Président, que la partie civile n'a pas fait élection de domicile au siège dans le ressort juridictionnel de votre tribunal. Il était question, Monsieur le Président, de trouver la base légale et en attendant, son audition a continué. Monsieur le Président, l'intérêt de cette observation se situe à deux niveaux. Le premier niveau, Monsieur le Président, c'est une contribution à la qualité de la justice que vous avez la lourde charge de rendre. Et je pense que c'est l'objectif de tous les techniciens qui sont autour de vous, tous les acteurs ici présents. Monsieur le Président, le second intérêt, c'est encore dans l'intérêt de cette partie civile, parce que le défaut d'élection dans le ressort de votre juridiction, Monsieur le Président, par cette partie civile, a des conséquences dans le cadre de la signification des décisions que vous allez rendre. Sur ce, Monsieur le Président, puisque vous aviez demandé la base légale, nous nous sommes évertués à trouver non seulement une base doctrinale, une base jurisprudentielle, et également une base légale, Monsieur le Président. Donc, conformément à l'article 488 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit pré-
préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée pour le préjudice causé. Monsieur le Président, c'est cette section de notre Code de procédure pénale qui vous donne la possibilité, et d'ailleurs l'unique section qui vous donne la possibilité de statuer sur la recevabilité ou non d'une constitution de partie civile. On me dira, Monsieur le Président, que c'est dans le cadre des délits. Mais je rappellerai, Monsieur le Président, que votre tribunal a rendu des décisions ici sur la base de cette disposition pour recevoir la déposition de certaines parties civiles. Monsieur le Président, nous avons également la doctrine procédure pénale de Jean Pradel. Je me réjouis d'ailleurs que je sois en face de la famille Pradel. Monsieur le Président, à la page 594 qui dit ceci. Vous savez, Monsieur le Président, la constitution de partie civile, quand il s'agit, se fait de deux manières. Il y a par voie d'intervention et par voie d'action. Quand le parquet, le procureur de la République a déjà engagé une action, la constitution de partie civile se fait par voie d'intervention. Elle se fait à l'audience ou avant l'audience. Dans le cas précis, Monsieur le Président, c'est par voie d'intervention. Et quand il s'agit de ça, Monsieur le Président, les doctrinaires disent qu'elle doit d'abord faire par déclaration au greffe précisant l'infraction poursuivie et contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, si l'intéressé n'y est pas domicilié réellement. Vous voyez que même l'avis des doctrinaires colle avec notre code de procédure pénale, Monsieur le Président. Sur ce, pour ne pas abuser de vos temps précieux, nous vous demandons respectueusement de constater que M. Terno Ibrahim Ayoula n'a pas fait élection de domicile dans le ressort de votre juridiction. L'enjoindre à élire domicile, faute de quoi, Monsieur le Président, vous nous en donnez acte que la partie civile ici présente n'a pas fait élection dans le ressort de votre juridiction. Je vous remercie.